moi, j'étais hier soir au pavillon de l'Arsenal où j'ai ouvert, enfin, j'ai dit quelques mots dans un, disons, dans un bâtiment, enfin, dans une réunion autour du bâtiment bas carbone. Voilà, j'y étais hier soir, donc c'est ce que j'ai fait. Donc il y a aussi des gens qui bougent. Effectivement, on ne peut pas continuer à construire de la même façon, d'un point de vue technique, qu'aujourd'hui, et à développer des villes de la même façon. Ça effectivement. Alors quand on discute avec les gens de l'immobilier, ils disent qu'il y a beaucoup de réutilisation de plus en plus, mais voilà, c'est du point de vue du scientifique, c'est une vraie question. J'ajouterais à ce qu'a dit Jean, c'est que, par exemple, à la COP, il y a eu beaucoup de débats dans le cadre du C40 sur clean construction, donc des débats importants sur savoir les besoins, effectivement, en termes de construction, par rapport à ce que disait Jean à l'instant sur la démographie, l'augmentation des populations dans les villes. Donc on a eu des débats très importants et très intéressants. Au niveau parisien, on a exactement les mêmes débats dans le cadre de la révision du PLU bioclimatique. Le choix a été fait et assumé par Emmanuel Grégoire de dire qu'on ne peut plus démolir et reconstruire. Il faut maintenant penser à tout de suite reconstruire sur ce qui est déjà l'existant pour limiter les besoins en béton. Il y a une étude de la PURE qui a été faite pour avoir les projections des besoins en béton sur quelques années, sur 10 ans, 15 ans, etc., pour pouvoir voir comment on peut organiser la sortie du tout béton. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas possible de sortir du béton d'un coup, c'est compliqué. Donc il faut organiser une stratégie de sortie du tout béton avec le recours aux matériaux biosourcés. Donc de voir quels sont les besoins en termes de construction, public, privé, etc., sur la, on va dire, à l'échelle métropolitaine du Grand Paris, par exemple, et d'organiser cette stratégie de sortie du tout béton pour aller vers les matériaux biosourcés. Donc évidemment, les cimentiers comme Lafarge, etc., sont très opposés à ces stratégies, à ces politiques de réduction de la part du béton dans la construction. Mais en tout cas, c'est l'orientation qui est prise pour le PLU bioclimatique sous la conduite d'Emmanuel Grégoire. Et il faut regarder ça un peu en perspective pour pouvoir, même pour la filière, par exemple, des matériaux biosourcés, avec les demandes en construction au niveau de l'échelon métropolitain, il faut regarder les choses pour organiser cette stratégie de sortie. C'est comme la stratégie de sortie du nucléaire, par exemple. Il faut le faire sur plusieurs années et c'est bien l'objectif que s'est fixé la maire de Paris et l'ensemble de l'exécutif parisien. Et pour votre information, vous savez, dans les COP, il y a des journées thématiques maintenant, et la journée du 11 était sur les villes, mais la journée du 11 matin était sur justement les nouvelles constructions, les constructions, je n'aime pas le terme, mais propres, ou les moins émissives possibles, avec énormément d'événements en parallèle, soit par les villes, soit par les constructeurs, soit par les États, pour faire le constat et faire aussi le point de ce qui était possible ou pas. On enchaîne sur les autres questions. Il y avait une question peut-être plus pour Jean, mais qui sera peut-être aussi répondue en troisième partie, la première était plus courte, parce que nous aurons un représentant de la délégation nationale, sur ce qu'arrive à la France par rapport à sa stratégie nationale bas carbone. Elle a déjà été épinglée par le Conseil d'État. Oui, effectivement, les chiffres que vous avez donnés, la réduction est très lente, la diminution des émissions, et il s'agit en plus, il ne faut pas se masquer la face, il s'agit des émissions sur le territoire national. Si on regarde l'empreinte carbone, ce qui logiquement, soyons clairs, dans les COP, on parle bien d'émissions sur le territoire national, mais disons, dans la réalité d'un pays, c'est aussi l'empreinte carbone, c'est-à-dire quand on tient compte des importations et des exportations, surtout des importations dans notre cas, l'empreinte carbone a plutôt tendance à augmenter. Donc, il me semble que j'ai participé à la Convention citoyenne pour le climat en tant que membre du comité de gouvernance, comme Laurence, qui était coprésidente. Voilà, donc, il me semble que il aurait fallu. Les propositions des citoyens étaient vraiment pertinentes et ambitieuses. Elles n'ont pas été, à mon avis, en tout cas, suffisamment retenues dans la loi climat-résilience, c'est très clair.
Voilà, mais si vous allez, enfin, il y a vraiment beaucoup de bonnes mesures, de bonnes propositions dans ces propositions des citoyens. Voilà. Et on avait une dernière question qui était sur la, pour réagir à la. Donc je vous enregistre. Sinon, vous filmez sur Facebook. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur la question de la construction et sur la substitution de matériaux biosourcés au béton. Il y a une hypothèse qui a été définie par la stratégie nationale bas carbone qui table donc sur une augmentation importante du bois dans les matériaux de construction. On est à 6% aujourd'hui, on passerait à 30% à peu près. Et il y a aussi une augmentation de la part du bois en tant que bois combustible. Alors, il y a un rapport qui a été réalisé récemment par plusieurs associations, notamment Canopée, les Amis de la Terre, qui montre que ça suppose, les chiffres même de la SNBC, ils supposent que l'on passe d'un taux de prélèvement dans les forêts, enfin qu'on augmente le taux de prélèvement dans les forêts de 70%, ce qui remettrait fondamentalement en cause la fonction de préservation de la biodiversité de la forêt et qui affecterait aussi son rôle de puits de carbone. Donc je me demande si, en se polarisant sur la problématique de la diminution du carbone, sans forcément prendre en compte tous les effets, on ne joue pas un peu avec le feu, sans jeu de mots, par rapport à la forêt. Et ça m'amène aussi à poser la question, à partir de cet exemple-là, du lien dont on parle toujours, mais que je ne vois pas beaucoup, entre ce grand enjeu qu'est le changement climatique et l'autre grand enjeu, à mon avis tout aussi important, sur le plan environnemental, qui est la préservation de la biodiversité. Comment fait-on le lien entre les deux ? Une autre question ? Non, on va sortir du timing, parce qu'on n'a pas fini de répondre aux précédentes questions. Parce qu'il y avait une question sur la multigouvernance des acteurs, est-ce que ça peut mettre en péril les décisions des COP ? Mais pour revenir sur climat et biodiversité, ça a été intégré dans la déclaration de Glasgow, ça a été renforcé. C'est un message aussi envoyé pour la prochaine COP 15 à Cumming de la biodiversité. Mais depuis l'accord de Paris, climat et biodiversité sont liés dans les textes, et entre autres, pour ne pas rentrer dans la mécanique, on en parlera peut-être tout à l'heure avec la délégation, mais dans l'article 6, un des points importants de la négociation, c'était le maintien de l'intégrité environnementale et la préservation de la biodiversité, ce dont de nombreux États ne voulaient pas, pour pouvoir faire du crédit carbone plus facilement, et ça a été maintenu. Et ça, c'est un pas important pour éviter une érosion massive de la biodiversité pour une action climatique, comme vous l'avez cité. Peut-être rapidement, est-ce qu'on peut modifier le système de la COP ? Est-ce que la multiplicité des acteurs ? Non. Bon, est-ce qu'on peut modifier ? Donc, on pourrait peut-être intégrer plus d'acteurs dans les négociations, par exemple les villes. Mais ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est supprimer les COP. Parce que, bon, on pourrait aussi prendre, les pays de l'OCDE ou les pays du G20, hein, et leur demander de faire des propositions pour réduire les émissions, puisqu'ils représentent 80% des émissions. Mais le problème, c'est qu'en termes de conséquences du réchauffement climatique, d'adaptation, tous les pays sont concernés. Moi, je suis, comme l'a dit Laurence, enfin, ça a déjà été dit, je suis très attaché à la présence de la. Enfin, c'est vraiment un des seuls endroits où on peut retrouver tous les pays du monde. Tous les pays sont concernés. Donc, moi, j'aime bien le. Enfin, on peut améliorer les COP, mais surtout pas les supprimer. Voilà, mais on pourrait aussi imaginer quand même que les pays du G20 se mettent d'accord et qu'ils mettent un coup vraiment, qui se préparent et qui viennent avec des propositions de réduction des émissions. Ça, ce ne serait pas du tout idiot. Voilà ce que je veux dire, mais pas qu'ils viennent à la COP. Voilà. Merci Jean de me passer le micro. Moi je pense que déjà si on avait la reconnaissance de tous les acteurs que moi j'ai vus à la COP dans la zone bleue, ce serait une forme de transparence aussi, parce que les entreprises des énergies fossiles qui étaient présentes partout à la COP, elles influencent les négociations internationales sur le climat. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance de tous les acteurs, donc les villes, en premier lieu les villes, les autorités locales, mais aussi les ONG,
Parce que le travail, on a rencontré pas mal d'ONG sur place, leur travail est assez compliqué en fait pour influencer. Si elles avaient un statut particulier, j'ai pas beaucoup d'expérience des COP, donc je me fie vraiment à ce que dit Jean Jouzel et Laurence Tubiana, mais une reconnaissance d'un statut au-delà du statut d'observateur pourrait être bénéfique pour le résultat final. Je ne sais pas si ça compliquerait la déclaration finale, il y avait une question là-dessus, mais en tout cas ça permettrait d'intégrer d'autres enjeux, je pense, dans la déclaration finale. Enfin, en tout cas, c'est le résultat que j'ai vu pour les villes en ce qui nous concerne, nous, en termes de gouvernements locaux. Alors, j'ai une dernière question pour vous, pour clore cette deuxième partie. C'est maintenant, que faisons-nous ? Mais pour vous permettre aussi de réfléchir à cette question, on va écouter Lola Vallejo, qui est directrice climat à l'IDRI, l'Institut de développement durable et des recherches internationales. Alors, j'espère qu'on va bien l'entendre parce que son son était un peu faible. Je le monte ici. Justement, Lola va intervenir sur le verre à moitié plein de la COP. Bonjour, je suis Lola Vallejo, la directrice climat de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Je vous l'ai mis en 3 minutes. Soirée des problèmes techniques. C'est la plus encourageante. Je trouve que tout ce qui s'est passé, c'est difficile d'en faire une parce qu'il y a la fois la COP26 qui s'est déroulée à Glasgow. Peut-être la chose la plus encourageante, je trouve que tout ce qui s'est passé, c'est difficile d'en faire une parce qu'il y a à la fois la COP officielle et la COP officieuse, énormément d'annonces qui ont été faites. Ce que je trouve le plus encourageant, c'est le partenariat qui a été conclu entre, d'un côté, l'Union européenne, les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et de l'autre côté, l'Afrique du Sud, pour accompagner la compagnie sud-africaine Eskom, pour se restructurer financièrement et changer complètement ses capacités de production. C'est une compagnie qui produit de l'électricité à 80% à base de charbon. L'idée, c'est vraiment développer des sources d'électricité propres, mais en faisant extrêmement attention à le faire d'une façon juste, c'est-à-dire en accompagnant les communautés affectées par cette transition, notamment les populations les plus jeunes. Il y a aussi un problème de chômage, en particulier chez les jeunes, et cette coordination des bailleurs leur permet de proposer 8,5 milliards de dollars à l'Afrique du Sud, ce qui est un effort majeur et qui devrait l'aider dans sa transition. C'est un pays qui a par ailleurs pris des engagements ambitieux, que ce soit à long terme ou à court terme, en relevant son engagement à 2030. Je suis désolé pour la liaison. Pour résumer, donc, Lola Vallejo citait l'alliance de plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, avec des banques multilatérales pour financer la transition de l'Afrique du Sud pour se débarrasser du charbon pour la production de son électricité avec Eskom, c'est 80% de la production qui est liée au charbon. C'était aussi un des objectifs de la présidence britannique et qu'on peut saluer, c'est de faire rentrer le mot charbon dans le texte final, même si ce n'est pas le mot de se débarrasser de tout le charbon pour la production électrique, mais de réduire massivement le charbon qui a été entendu. Et c'est un exemple positif que vous voulez citer, Lola, justement de coopération et d'argent qui ont été mis par des pays, entre autres du G20, pour permettre cette transition sur le territoire. Maintenant, concrètement, messieurs, bon, la COP, c'est tous les ans. On a 11 mois avant la prochaine. Qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant, au quotidien, selon vous ? Oui, disons, moi, je pense vraiment qu'on réfléchit à... Bon, je redis, par rapport aux propositions des citoyens, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre sur ce qui est notre vie de tous les jours, hein, se loger, se nourrir, se déplacer, mais aussi produire et travailler. Au niveau international, bon, alors il y a quelques autres points positifs. Par exemple, normalement, ces engagements seront revus dès l'an prochain, ce qui est positif. C'est d'autant plus positif qu'il va y avoir
trois nouveaux rapports du GIEC l'an prochain. Je veux dire, disons, il y aura le rapport sur les conséquences du réchauffement climatique et effectivement, ça éclairera disons, d'un nouveau, vraiment montrera les difficultés auxquelles risquent de faire face certains pays si rien n'était fait. Il y aura aussi, bien sûr, le rapport en mars plus sur les solutions et un rapport de synthèse. Donc c'est assez intéressant. Enfin, disons, voilà, c'est peut-être un peu trop optimiste, mais je pense que le fait qu'il y ait à rediscuter l'an prochain des engagements est intéressant. Ensuite, il y a eu d'autres engagements comme le méthane, la diminution du méthane, qui sont intéressants. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense que les négociations internationales doivent se poursuivre, mais elles n'ont de sens que si, non seulement les pays... disons, respectent leurs engagements, mais que de nouveaux pays en font et qu'ils soient vraiment revus à la hausse. Il sera trop tard après 2030, c'est vraiment la dernière décennie sur laquelle on peut agir. Donc, c'est vraiment maintenant qu'on peut agir. Je me souviendrai toujours que dès 2007, donc le quatrième rapport, je n'ai pas arrêté de dire que 2020 serait une année charnière. Hein, je peux reprendre tous mes... Donc, on ne savait pas que ce serait une année charnière à cause de la Covid, mais voilà, c'est une année charnière parce qu'on le disait dès 2007 que si on voulait avoir des chances de respecter les 2 degrés, on commençait à en parler à l'époque, il fallait que les émissions commencent à diminuer en 2020 au plus tard. Alors, depuis, on a répété ça, on l'a précisé, hein, puisque maintenant, on parle de ce quoi, vers quoi on doit aller vers en 2030 ou en 2050, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Hein, c'est plus, on ne va pas dire, c'est pas la prochaine décennie, il sera trop tard. Voilà, donc agir, c'est un effet d'entraînement, c'est effectivement les villes, c'est entraîner aussi les entreprises, ça bouge. Voilà, il y a beaucoup à faire, c'est aussi regarder chacun d'entre nous, j'imagine. Donc regarder les propositions qui sont autour de nous. Voilà ce que je dirais. Merci Jean. Danlert, à l'échelle locale, justement, ça signifie quoi ? Alors justement, pour aller un peu dans le sens de ce que disait Lola Valégeot tout à l'heure, il y a eu des avancées, notamment, enfin, je pense que Jean souscrira à sur le méthane, par exemple, il y a eu des avancées extrêmement importantes. Et la ville de Paris a eu la chance d'avoir un prix climat de l'ONU pour son plan climat. Et c'était pas parce que c'était la ville de Paris, mais c'est parce que on a obtenu des résultats sur le territoire parisien, sur la trajectoire notamment d'émissions de gaz à effet de serre. On a réussi à peu près en 15 ans, à réduire de 25%. Alors, ce n'est pas seulement la ville de Paris, c'est un effet d'entraînement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ONU a salué des résultats et des solutions qu'on a mis en place au niveau parisien, au niveau du territoire parisien, pardon. Et on doit réussir le même résultat d'ici 10 ans. Donc, on doit, c'est ce que disait Jean Jouzel à l'instant, on doit accélérer nos politiques de transition. Et là où on va mettre particulièrement la focale à Paris, et on en a beaucoup débattu pendant la COP26 avec les autres villes, c'est sur les enjeux d'adaptation de nos villes au changement climatique. On a maintenant les projections climatiques à peu près connues sur notre territoire. On sait ce qui nous attend en termes d'inondations, vagues de chaleur, sécheresse, atteinte à la biodiversité, etc. Donc on sait ce qu'on doit faire pour nous adapter au changement climatique. Et je crois que ça va être un des enjeux très importants pour les années qui viennent, que ce soit pour essayer de contenir le changement climatique, en tout cas nous y adapter, notamment pour les personnes qui à Paris sont en première ligne du changement climatique, parce qu'en fait on les connaît, hein, y a un certain nombre de quartiers, il y a un certain nombre de populations qui sont plus impactées au niveau sanitaire par le changement climatique. Donc nous, au niveau parisien, on va évidemment continuer à accélérer si possible, obtenir le même résultat en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, mais surtout lancer des politiques d'adaptation très ambitieuses. Ce sera à travers le PLU bioclimatique, mais ce sera à travers des politiques, la plantation d'arbres, évidemment, la réduction de l'imperméabilisation des sols, les espaces de fraîcheur, les stratégies de rafraîchissement urbain, la renaissance de rivières urbaines en zone dense, comme le projet qu'on étudie de renaissance de la Bièvre à Paris. Voilà, il y a toute une palette de choses qu'on peut faire, et on va essayer de concentrer nos efforts sur ces questions aussi d'adaptation qui paraissent être très importantes.
Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Jean-Joseph. Merci beaucoup, Daniel. Je pense qu'on peut les applaudir. Il faut les remercier. Merci pour le temps consacré. À bientôt. Pour lancer la dernière séquence, j'invite déjà Martial Breton à me rejoindre parce que Martial va prendre le relais. C'est lui qui va animer la dernière séquence. Vous avez compris, on a un fil rouge aussi à force. Pour toute cette séquence, on a toujours François Gémen sous la main. Et je vous propose d'écouter justement, pour lancer la dernière séquence, retour sur la COP, avec d'autres représentants que Martial va inviter et va présenter, d'écouter ce que pense François Gémen du fameux consensus, avec son accent belge, de la COP. Le deuxième point, c'est de réaliser que le fonctionnement... des COP nous condamne à être déçus en permanence. Lors des COP, on ne vote pas. Ça veut dire que toutes les décisions sont prises au consensus de l'ensemble des parties, de l'ensemble des États membres. Et cette règle du consensus, elle donne évidemment un très grand pouvoir de blocage aux pays les moins ambitieux, qui savent très bien que si le texte va au-delà de leurs ambitions, ils pourront le bloquer. Et donc, le texte final des COP est condamné à n'être jamais que le plus petit commun dénominateur sur lequel sont capables de s'accorder 197 pays qui viennent pas tous de la même ligne de départ, qui ont des perspectives très différentes, qui ont des contraintes très différentes, des besoins très différents. Et forcément, tant qu'on sera soumis à la règle du consensus, eh bien, c'est toujours le pays le moins ambitieux, le moins disant, qui aura la main. En quelque sorte, il n'y a guère que l'Australie ou l'Arabie Saoudite qui peuvent vraiment être satisfaites des textes qui sortent des COP. Et donc, si l'on en reste à cette règle du consensus, et si a fortiori on attend beaucoup des COP, on est condamné à être déçu en permanence. Et c'est là, je crois, où il y a un vrai risque. C'est que cette déception à répétition ne crée au bout du compte une certaine forme de lassitude, une certaine désillusion qui alimente un bashing anti-coopération internationale. C'est déjà une petite musique qu'on entend régulièrement. À quoi servent ces grands messes qui finalement ont une grosse empreinte carbone mais ne servent à rien? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'organiser ces COP? Ça ne sert à rien de toute façon. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les négociations en ligne, etc., etc. Je comprends ce type de réaction. Et je comprends que les gens se fatiguent, se lassent de voir que le processus est si lent. Mais il ne peut pas en être autrement tant que nous sommes soumis à cette règle du consensus. Et je crois qu'il sera vraiment important à l'avenir de sortir de cette règle du consensus si on ne veut pas aller de désillusion en désillusion qui forcément finirait à terme par se retourner contre le principe même de la coopération internationale. Et là, je crois qu'il y a des choses intéressantes qui se sont produites à Glasgow. Notamment quant au fait qu'il y a eu énormément d'annonces faites par des coalitions de pays qui souhaitaient aller plus loin et ne pas être tirés vers l'arrière par la règle du consensus. Alors il y a toujours eu ce type d'annonces lors des COP précédentes, mais il y en eut particulièrement beaucoup cette fois-ci avec de très nombreuses coalitions d'États qui se groupaient pour avancer ensemble sur des points précis. Et finalement, au bilan de cette COP26, on retiendra peut-être surtout ces différentes annonces sur le méthane, la déforestation, le charbon, les financements. Et ce sont des annonces, évidemment, certaines sont plus ambitieuses que d'autres, mais ce sont des annonces qui ne dépendent pas directement du processus de négociation. Ce sont des annonces qui sont faites à la COP26 pour bénéficier de la caisse de résonance et de la publicité que ça va attirer, mais ce ne sont pas des annonces qui sont issues du processus de négociation lui-même. Et je pense qu'à l'avenir, ces coalitions qui veulent aller de l'avant vont devenir de plus en plus importantes et que quelque part le texte final qui sortira sera de moins en moins important. Parce que quelque part, tant qu'on restera dans cette règle du consensus, ça encouragera aussi des coalitions à aller de l'avant. Et donc je pense qu'il y a une sorte de reconfiguration de la coopération internationale qui va s'annoncer peu à peu
et qui est directement lié à ce boulet de la règle du consensus. Merci beaucoup Yann pour l'animation de cette première partie. Tu nous rejoins pour cette seconde partie qui va être sur une table ronde comme invité. J'invite aussi nos trois autres invités, Jourdain Vaillant, qui est du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ainsi que Lorelei Lancaster, des jeunes ambassadeurs pour le climat, et qui est aussi jeune délégué, membre de la délégation officielle de la France aux négociations climatiques, ainsi que Karine Vatrin, du RESES, le réseau étudiant français pour une société écologique et solidaire. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'ai une petite annonce. Il y a une petite plaque qui circule parmi vous pour mettre vos noms et recevoir la newsletter de l'Académie du climat. Ah, elle est coincée là-bas. Oh, il faut la faire circuler, sinon on n'aura pas de... J'aurai pas mon rendement. Si on pouvait circuler, c'est pour avoir les infos de l'Académie. Tout le monde a un micro, vous êtes bon? Je vous propose qu'on lance cette table ronde. L'idée, c'est d'avoir... Vous avez tous les quatre participé à cette COP. Évidemment, vous pourrez nous parler de votre expérience avec des points de vue très différents, à la fois en tant que ville de Paris, en tant que délégation officielle d'un pays membre de l'Union européenne aussi, donc avec des processus différents, et aussi, enfin, du point de vue d'une partie de la société civile qui est celle des jeunes et des organisations et des associations qui étaient présentes lors de cette COP et qui sont de plus en plus présentes lors des COP. On vient d'entendre François Gémen nous parler de la complexité de la prise de décision par ce choix de prise de décision qui est par le consensus, à l'unanimité. Tout le monde doit s'accorder, chaque pays, petit ou grand, riche ou pauvre, plus ou moins responsable d'émissions de gaz à effet de serre, plus ou moins historiquement d'ailleurs. On va se tutoyer si ça vous convient. Jourdain, donc tu es membre de la délégation française au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je te laisserai aussi évidemment préciser un peu tes missions, tes rôles et dans quel cadre tu interviens dans ces négociations. En quoi ce mode de décision, le consensus, en quoi ça peut ralentir ou en tout cas ça peut... être délétère pour la prise de décision et pour le passage qu'on appelle de plus en plus à être plus rapide, le passage à l'action. Bonsoir à toutes et tous et merci beaucoup de votre invitation. Je précise que je parle à titre personnel ce soir, mais dans le cadre de mes fonctions, je suis diplomate au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et en particulier à sa sous-direction du climat et de l'environnement, et j'ai en charge le suivi de ce qu'on appelle l'atténuation du réchauffement climatique, ce qui correspond aussi à un mandat sous les COP et à un travail de négociation, et également du suivi des négociations en G7 et en G20. Pour revenir donc sur le principe du consensus dans la prise de décision au sein de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la première chose que je dirais, c'est d'abord, c'est l'esprit des Nations Unies. Ça correspond à un État, une voix, qui est un principe clé de la Convention climat, mais également de la Charte des Nations Unies. C'est une prise de décision qui correspond à cette forme de collégialité, horizontalité, mais la précision importante, ça n'est pas exactement l'unanimité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote, il n'y a en revanche, comme l'unanimité supposerait, mais en revanche, le consensus prévoit que si une opposition majeure intervient dans le cadre des négociations, et c'est arrivé à Glasgow, et c'est arrivé dans les précédentes COP, à ce moment-là, la décision n'est pas adoptée. Là où je mettrai aussi de la nuance dans le fait que ce consensus est principalement bloquant parce qu'il correspond aussi à une horizontalité, c'est aussi de prendre en compte que dans ce cadre des négociations internationales, il y a aussi des relations de pouvoir et de puissance qui se jouent et qu'on aurait tendance à neutraliser avec cette conception du consensus et de l'horizontalité, puisqu'en réalité, et on l'a encore vu à Glasgow une nouvelle fois, certaines parties, États parties à une convention, ont une influence supérieure à d'autres. Leur manière de briser le consensus fait droit à une rouverture de texte,
à une renégociation de texte ou une sorte de bras de fer dans lequel s'engageraient les États à peu près consentis comme étant de niveau d'influence équivalent. Ce qui veut dire que le cadre de décision des COP voilà, correspond à une certaine idée des Nations Unies, mais dans une version plus réaliste, est aussi traversé par des luttes d'influence, de pouvoir et de puissance. Et la puissance, comme on le sait, c'est la capacité à contraindre. Et on le voit dans les décisions qui sont prises au consensus aux Nations Unies. Et il y a encore des voies d'amélioration, et je finirai par ça. C'est qu'évidemment, toute une réforme imposerait aussi une réforme du système onusien. C'est très lourd. Ceux qui ont essayé d'entamer une réflexion, une réforme au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils se sont tous cassés les dents. Ce sont des décisions très dures à prendre, souvent à la majorité absolue. Donc la réforme est difficile. En revanche, et c'est exactement ce que dit François Gémen, et c'est ce qu'on a déjà expérimenté au sein de l'Union européenne, on peut se servir des COP pour se coordonner, pour prendre des déclarations, des engagements parallèles au processus onusien, et là engager une forme d'avant-garde sur tel sujet, les forêts, les subventions aux énergies fossiles, la sortie du charbon, et j'en passe, et le bâtiment, on l'a évoqué tout à l'heure, on fait aussi partie de ce genre de paquet sur lesquels on peut négocier, et en Union européenne, on appelle ça les coopérations renforcées. Et c'est là où on peut, en quelque sorte, participer en même temps au processus onusien et le contourner à des fins d'efficacité. Donc je crois qu'il y a un équilibre à préserver et évidemment des points de réforme à pousser également. Merci. Cette COP, on a eu les retours par vidéo, enfin sur Zoom, par vidéo, et puis avec Jean Jouzel et Dan Lert juste avant. Elle a été aussi beaucoup commentée médiatiquement. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit de plus en plus autour des COP, de ces événements climatiques, c'est qu'on a de plus en plus d'attention médiatique. On a notamment ce passage, cette inclusion des énergies fossiles, en tout cas la notion, enfin ça, c'est la première fois qu'est apparue ce terme, cette notion dans un texte issu de la CNUC. Est-ce une victoire que ça n'apparaisse qu'en 2021 ou est-ce que ça cache au fond aussi un énorme décalage d'une lenteur par rapport aux avancées dont on a besoin? Karine, tu fais partie du RESES, Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Tu as pu participer à la COP. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton expérience et aussi de comment, pour une organisation nationale française, on perçoit cette COP? Est-ce que c'est un succès ou, au final, mitigé ou des échecs? D'accord. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? D'accord. Alors, déjà, je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit sur la mention donc, de sortir des énergies fossiles. Pardon, oui. Alors, du point de vue de la jeunesse et des représentants de la jeunesse à la COP, c'est une forme de victoire. Je dis une forme de victoire parce que c'est quelque chose qui avait été poussé à d'autres COP précédemment et on nous avait toujours dit à nous les jeunes, bon, vous êtes mignons, mais c'est un petit peu ambitieux quand même. Et donc, de voir ça qui apparaît dans le texte, c'est une relative victoire. Néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit que c'est une mention. On parle de diminuer le charbon, donc pas d'en sortir, et il n'y a aucune date derrière. Donc, c'est un accord de principe, mais qui n'est pas si contraignant que ça au final. Donc voilà, et c'est vrai que ça montre bien un petit peu à quel point bah, nous, les observateurs jeunes, on est présents à cette COP, mais on en revient un peu frustrés, parce qu'on peut porter notre voix, on peut donner notre avis, mais au final, ce ne sont pas nous qui écrivons les textes, ce ne sont pas nous qui avons le droit de parler dans les salles de réunion, de négociation, pardon. Et donc on est vraiment un peu là pour faire joli, mais on n'a vraiment aucun pouvoir décisionnaire et un très faible pouvoir de plaidoyer ou de discussion avec ceux qui ont le pouvoir décisionnaire. Tu fais la transition avec la suite avec ma prochaine question, qui est celle de l'inclusion des autres parties des différentes parties de la société civile. Yann, tu étais aussi présent pendant toute la COP, et puis ce n'est pas la première. Ici, pendant les deux semaines de la COP à l'Académie du Climat où on se trouve en ce moment, on a aussi organisé tous les soirs des apéros COP. Tu participais en duplex et tu nous racontais un peu comment ça se passe là-bas, quel était l'état des négociations. Un point qui est revenu assez régulièrement, c'était notamment l'importance et le manque d'inclusion des villes. Ça a été évidemment évoqué par Dan Lert juste avant. On ne va pas revenir forcément sur l'absence dans le texte final des villes, mais du coup,
Tu es responsable de la mission énergie-climat à la ville de Paris. Qu'est-ce qu'une ville, quels sont les outils d'une ville concrètement pour l'adapter et pour augmenter sa résilience face au dérèglement climatique quand elle n'est pas vraiment vue comme un acteur à part entière à l'international? Tu permettras que je ne sois pas d'accord. Mais en fait, il y a un truc drôle. Dan Lert l'a dit, la ville de Paris a reçu un prix des Nations Unies pour son action climatique et sa vision à long terme. Et ce prix a été remis par la secrétaire générale de la Convention cadre des Nations Unies pour le climat, Patricia Espinoza. Et dans ce prix, elle dit qu'elle est justement fière des trois lauréats, qui étaient Guadalajara, Samse et la ville de Paris. Et de l'autre côté, au même moment, il y avait la finalisation des textes de négociation, et à ce moment-là, d'ailleurs, les villes n'étaient plus dans le texte. Donc d'un côté, on salue l'action locale, on salue, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis entre autres l'accord de Paris et même Lima avant, la COP de Lima, il y a un renfort et une visibilité mise dans les COP sur l'action climatique, comme ça s'appelle, de la société civile. Société civile en COP, c'est tout ce qui n'est pas État. Hein. Et donc il y a une forte visibilité, il y a une forte volonté de mettre en avant. Et c'est important parce que ça permet aussi de montrer ce qui se passe et ce qui se passe sur le terrain, quel que soit le secteur, collectivité, entreprise, etc., aux négociateurs qui, par moments, peuvent être déconnectés parce qu'ils ont des textes à régler, ils ont des centaines de pages à lire, à négocier avec un simple mot. Il suffit que quelqu'un ne soit pas d'accord sur un mot. Et je vous passe la capacité de traduction de ces mots dans les différentes langues, dans les six langues onusiennes, entre... un mot comme devoir qui n'a pas du tout la même traduction avec quatre mots possibles en anglais et que tout à coup vous n'allez pas vous mettre d'accord. Et donc on est déconnecté de ce qui se passe sur le terrain et donc je me dis, on reçoit en même temps un prix mais on n'est pas à la table. Mais ce qui est important, comme il a été dit aussi qu'on y soit tous, c'est aussi pour montrer ce qui est possible et ce dont on a besoin. Bien évidemment, ça ne va pas révolutionner du jour au lendemain la politique climatique locale de n'importe quelle ville, y compris Paris, de ce qui se passe à la COP. Mais aussi bizarrement, si on rentre dans la technique, dans l'article 6.8, qui règle les crédits de non-carbone, mais sur le non-marché, il y a une possibilité pour les villes d'y accéder. Et tout à coup, si on apparaît dans ce texte à ce moment-là comme un territoire accessible à ces crédits carbone, alors ce sont des financements disponibles pour l'ensemble des villes du monde à ces crédits carbone. Donc c'est important aussi qu'on y soit là-dessus, et on ouvre des portes. Mais pour ouvrir cette porte, François donc regrette le consensus. Le consensus, ça permet aussi à un moment donné de maturer certaines idées. Il a été dit, c'est une petite victoire, une grande victoire, le mot fossile. Mais il a fallu 25 COP pour le faire rentrer quand même dedans. Et encore à la dernière, ce n'était pas possible. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Quelle négociation derrière il y a eu? Je serais curieux de l'entendre dans les couloirs. Pour que tous les pays pétroliers, qui sont un groupe puissant à la COP, acceptent. Même s'ils ont réduit le texte. Mais le mot y est, il est rentré dedans, comme le mot charbon. Et ça, c'est un événement tout aussi influent que nous, on attend que la prochaine COP, dans le travail avec l'article 6.8 qui n'est pas fini, on reconnaisse le droit des villes et accède, pour toutes nos consoeurs, surtout les villes du Sud, à un mécanisme facile d'accès au financement. Voilà comment on peut rentrer aussi dedans. Je pose la question peut-être rapidement, comment on en est arrivé à l'inclusion de... enfin des énergies fossiles dans ce texte? Alors, par nature, c'est une question qui ne revient pas au cadre COP, ou plutôt par habitude. Cadre COP, maintenant, fixe des objectifs d'atténuation. Et dans la section consacrée à l'atténuation dans le pacte de Glasgow, on a vu apparaître, effectivement, la sortie progressive des subventions inefficaces aux énergies fossiles et la diminution du recours au charbon n'ayant pas fait l'objet de techniques de capture et de stockage du carbone. C'est l'état du texte. On arrive le 13 novembre à 20h avec ce texte. Une semaine avant, ça n'était pas prévu. La présidence britannique a fait circuler un non-papier faisant apparaître ses priorités pour une décision finale. Ça n'en faisait pas partie. En une semaine, on a vu l'apparition d'un langage sur une sortie progressive à la fois de la production électrique à partir de charbon et des énergies fossiles. Et à la fin, dans la dernière heure de la dernière plénière, un affaiblissement de ce langage par des États que vous avez cités, qui se sont plus ou moins exposés d'ailleurs dans cette négociation
qui a choqué beaucoup de parties dans la mesure où elle était gérée de manière interpersonnelle dans la salle de la, plénière, mais pas sous une forme de consultation comme les négociations doivent se jouer formellement avec chacune des parties autour d'une même table. On peut expliquer de plusieurs manières cette inclusion de la mention des énergies fossiles, en tout cas telle qu'elle s'est faite à Glasgow. Un, le fait que le consensus ait un petit peu changé. Au fur et à mesure des COP, cette mention était toujours retirée. Ça avait été tenté à Kyoto, ça avait été tenté à Paris. À chaque fois, échec. Cette fois-ci, ça passe. Juste avant, si on doit parler un peu de cet esprit du consensus qui a tourné, il y a quoi ? Il y a la pression de la société civile, indéniablement, la pression de l'esprit public autour du réchauffement climatique et de la perception de l'importance des énergies fossiles dans les émissions de gaz à effet de serre. Et peut-être le pas le plus décisif, je pense, qui se joue au G7 et au G20 2021, où pour la énième fois, on mentionne la subvention inefficace aux énergies fossiles, mais on discute, avec plus ou moins de réussite, des modalités de ces sorties des subventions aux énergies fossiles et du charbon. Évidemment, les résultats ne sont pas les mêmes au G7 en juin 2021 et au G20 à la veille de l'ouverture de la COP. Le dernier facteur qui change, c'est au milieu de la deuxième semaine, et c'est peut-être là le meilleur exemple qui permettrait d'illustrer ce que je disais sur les luttes d'influence au sein même d'une enceinte a priori fonctionnant au consensus. C'est que le mercredi qui précède le samedi du vote du texte, déclaration sino-américaine reprenant un certain nombre de points sur lesquels les États-Unis et la Chine s'entendent, mais en réalité ça a infusé dans la totalité des négociations jusqu'à ce texte final. Donc le processus est complexe, partiellement opaque, absolument pas réaliste du point de vue des efforts d'atténuation du réchauffement climatique, mais ce qui est apparu in fine comme un échec, c'est-à-dire l'atténuation de ce langage, est dans l'absolu une réussite diplomatique. Mais à ne pas confondre avec une réussite climatique, pour être concret. Et comme effet potentiel, explicateur de cette avancée, vous évoquez notamment, il y a un changement de mentalité en quelque sorte, il y a une évolution vers ça. Est-ce que la pression, notamment des jeunes générations de ces dernières années, avec des mouvements comme Fridays for Future, à la suite notamment de Greta Thunberg, lancés en 2018, surtout en 2019, ces mouvements de jeunes générations partout dans le monde ont mis la pression, notamment sur les dirigeants. Lorelei Lancaster, tu fais partie des jeunes ambassadeurs pour le climat, tu es aussi jeune délégué, donc tu fais partie aussi de la délégation officielle à la COP. En quoi l'inclusion des jeunes générations dans ces négociations, dans ces cercles diplomatiques internationaux, en quoi ça joue un rôle et en quoi c'est important ? C'est mieux ? Pardon. Sur l'inclusion des jeunes, bah pour moi, il y a différents aspects. Déjà, il y a l'inclusion des jeunes en tant qu'observateur. Et ça, Karine en parlera beaucoup mieux parce que elle était observatrice. Moi, je n'étais pas observatrice. Je faisais partie de la délégation française. Mais du coup, pour revenir sur cette inclusion dans la délégation française, donc, j'étais avec Jourdain, j'étais dans toutes les réunions de la délégation. On logeait dans le même hôtel, donc on était vraiment dans l'écosystème français, diplomatique, aux négociations. Et en fait, c'est un projet qui est porté par l'ONU depuis 2012, si je ne dis pas de bêtises, qui est d'inclure les jeunes dans la diplomatie climatique. Il y a plusieurs pays qui le font, la France en fait partie, dans l'Union européenne, il y en a pas mal. Il y a le Mexique qui a un programme très développé aussi là-dessus. Et ça fait aussi partie de l'inclusion de la jeunesse, parce qu'après, on fait des retours, comme ce soir. On essaie de faire des retours dans les écoles. L'association dont je fais partie, c'est sa raison d'être, de faire des retours, d'expliquer ce que c'est que les COP, que les négociations climatiques, parce que ce n'est pas seulement une question d'inclusion de la jeunesse, mais c'est une question aussi d'empouvoirment, d'incapacitation de toute la société civile. C'est des questions, comme le disait Jourdain, qui sont très compliquées. Le processus onusien, c'est un bordel sans nom. Enfin, moi, je suis arrivée à la COP.
J'avais déjà fait les intercessions à Bonn cette année. C'était en ligne, je n'avais vraiment pas compris grand-chose. Et on a la chance d'être avec la délégation et de pouvoir poser nos questions tout le temps aux négociateurs. C'est vraiment une chance qu'on essaie de retransmettre après, parce que c'est un processus tellement complexe, à raison, parce que c'est des questions très complexes, que je pense qu'il est aussi nécessaire que la société civile soit inclue pour qu'il y ait des retours comme ça qui puissent être faits entre les gens qui ont la chance d'y être, parce que c'est une chance de pouvoir participer à une COP. Ça demande beaucoup de choses, de l'occasion, les moyens. C'est pas offert à tout le monde. Et après, c'est les retours qu'on a avec tout le monde, tous ceux qui nous posent des questions. On essaie d'avoir le plus d'échanges possible. Et donc l'inclusion des jeunes, elle passe par ça. L'inclusion des jeunes, après, comme toute la société civile, ils n'ont pas le droit à la parole dans les salles de négociation. Mais ça, c'est aussi une question de souveraineté. Je me tourne vers toi, Karine, si tu veux réagir du point de vue observatrice. Donc là, la société civile, plus comme observatrice des négociations, vous faites partie d'une des ce qu'on appelle les constituantes, donc ces différents groupes qui rassemblent. Donc on a par exemple les Bingo, donc c'est les business et les entreprises. On a Yungo et tout un tas d'autres qui rassemblent les femmes, qui rassemblent les ONG, les scientifiques, etc. Yungo, c'est pour les Youth NGO, les organisations jeunes. Comment cette COP s'est passée pour les associations jeunes et aussi dans quelle mesure l'inclusion des jeunes, tu en as un peu parlé juste avant, elle est vraiment sincère, donc pour écouter des cris d'alarme de plus en plus forts, ou est-ce qu'on a aussi des stratégies, ce qu'on appelle de plus en plus du youth washing, à l'image du green washing, c'est on met un ou une jeune au panel parce que ça fait beau, parce que c'est pour essayer de montrer de l'inclusion, mais finalement derrière on n'a pas forcément les résultats qui suivent. Alors oui, c'est bon. Justement, alors pour la constituante Yungo des jeunes, il y a environ 5000 observateurs sur donc 30 000 participants qui sont, à vrai dire, de cette constituante. Donc c'est quand même une très très grosse constituante. Et il y a un réel effort de la part notamment de la CNUC, donc de l'organe qui organise des COP, de les intégrer. Il y avait par exemple la pré-COP à Milan, où il y avait de l'ordre de 400 jeunes qui représentaient les différents pays de la planète, deux jeunes par pays, qui ont pu se réunir, discuter entre eux, écrire un texte qui a été soumis pendant la COP, en plénière, et donc l'idée c'était vraiment de dire bon on a mis d'accord les jeunes tous ensemble, maintenant s'il vous plaît négociateurs, saisissez-vous de ce texte. Je tiens à préciser par exemple que dans ce texte la CNUC avait dit aux jeunes évitez les mentions de pétrole et de charbon s'il vous plaît, voilà, pour vous donner un peu à quel point c'était quand même en effet très compliqué d'intégrer ces aspects-là dans le pacte de Glasgow après deux semaines de négociations. Mais c'est vrai que ça donne un petit peu... Alors, c'est un effort, mais c'est un effort donc d'inclusion des jeunes, mais ça pose toujours la même question qui est revenue en fait tout au long de cette soirée, qui est de dire, les jeunes ne sont pas un pays, les jeunes ne sont pas n'ont pas un pouvoir... C'est compliqué en fait de nous mettre à la table des négociations parce que nous n'avons pas le droit, objectivement. Et ça pose donc toujours cette question de qui sont les acteurs des négociations, qui a le droit, qui a le pouvoir décisionnaire. Je ne sais pas si c'est très très clair, vous me dites. On me souffle dans l'oreille à droite que les jeunes sont dans le texte. Dans quelle mesure, en effet, le manque d'inclusion des gouvernements locaux pèse, d'après toi, dans quelle mesure est-ce que c'est un échec de cette COP? Et aussi, par rapport à potentiellement l'inclusion dans les... je me souviens que dans un des apéro COP, tu nous as parlé d'une autre des constituantes, qui est celle des bingo, donc les grandes entreprises, les business, qui sont très discrets, mais à la fois aussi très nombreux. C'est parmi les plus grandes délégations. C'est aussi pour beaucoup des financeurs de la COP, c'est des grands partenaires de ces négociations. Comment on joue avec ces entreprises qui parfois sont aussi parmi les plus polluantes? Dans les bingo, je pense qu'il y a les deux. Les bingo, c'est Business Industries NGO, donc c'est les entreprises et les industriels, les organisations industrielles qui ont une constituante donc à la COP, qui ont droit comme la constituante des villes ou la constituante des femmes ou des jeunes.
j'ai trop parlé. Les bingos ont une tactique différente parce que leur but, ce n'est pas non plus d'apparaître trop fortement en frontal en lobbyiste. Ils ont une tactique de lobbyiste, mais il faut voir aussi qu'il y a les deux lobbyistes dans les bingos. Il y a les lobbyistes des pros et des contres. Il y a autant à la COP de pavillons ou d'influences, d'événements parallèles, comme on les appelle en français, organisés par les entreprises qui sont pour la neutralité carbone parce qu'ils ont une longueur d'avance sur leur technologie et qui veulent plus de contraintes, de régulations, qui soient dans les textes ou dans les pays, etc. Comme il y a bien évidemment, je crois que c'était listé dans certains journaux, de nombreux délégués de bingo qui sont dans les délégations officielles, mais en même temps, il faut voir aussi dans certains pays que le ministre de l'énergie, il est aussi président de la première compagnie pétrolière du pays, et donc voilà, en même temps, il a son carton de délégué officiel et de négociateur. Chaque constituante a ses niveaux d'information différents, ses niveaux de lobbying. Je pense que peut-être la LGMA, donc celle qui regroupe les villes, ont peut-être beaucoup à apprendre des Yungo, parce que si on regarde le texte final, les jeunes sont cités 9 fois, qu'il faut prendre en compte et préserver, entre autres, la jeunesse. C'est très bien, maintenant il faut que ça soit appliqué des faits, et les villes sont citées 1 fois. Bon, voilà. Donc si on fait un compte purement comptable, on a perdu sur la COP, mais on est encore dedans. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on soit toujours dans les textes. Sortir du texte, ça nécessite après 3-4 années de négociation pour re-rentrer dans un texte, alors que c'est dans l'accord de Paris. Voilà. Donc ça, c'est important. Comme il est extrêmement important de la reconnaissance du rôle des jeunes, de la préservation des peuples autochtones, ou... Comment tu as dit sur empowerment en français, parce que j'arrive jamais à le trouver. En capacitation, c'est pas mieux quand même, du rôle des femmes et l'autonomisation des femmes, qui est dans l'accord de Paris, qui est remaintenu dans la décision finale. Et ce sont des petits points, mais c'est important. Vous vous rendez compte qu'on parle de l'autonomisation des femmes, l'encapacitation des femmes, à 197 pays, dont pour certains, c'est tout aussi douloureux de parler de ce terme, excusez-moi, que de parler du fossile, quoi, des énergies fossiles. Donc c'est aussi ça, la magie des COP, mais... ça ralentit le système, et donc à côté, il se passe cette énorme foire de rencontres, d'accords, d'alliances. Là où il faut être prudent quand même sur les annonces et les alliances, c'est que pour l'instant, ce sont quand même des annonces de ceux qui manquent à leur devoir dans le G20, dans les fonds de financement, et qui font des alliances parallèles pour avancer certaines choses. Ce qui est fait sur l'Afrique du Sud, c'est très bien, mais ça ne compense pas les 100 milliards qui ne sont toujours pas là depuis un certain nombre d'années. Et de l'autre côté, si le consensus et l'unité est importante, c'est que ça permet aux îles Marshall d'avoir la même voix que les États-Unis à la COP. Certes, pas de vote, mais à un moment donné, s'ils lèvent la main quand il y a la décision finale, le texte n'est pas adopté. Voilà. Sauf que les deux derniers qui ont levé la main, c'était Chine et Inde. Bon, ils pèsent un peu plus lourd. On va voir si fonctionne. En effet, l'inclusion des acteurs économiques et du sujet économique et social, c'est aussi un sujet qui est monté dernièrement lors des COP, notamment une en particulier, celle de Katowice en Pologne, où on a eu un terme qui a beaucoup été mis en avant, c'est celui de la transition. C'est donc celui de la transition juste. Et donc, alors, c'était avec un contexte qui était particulier, là, dit comme ça, évidemment, je pense qu'on y est tous favorables, mais avec un contexte particulier qui était celui de la Pologne, d'un pays extrêmement producteur de charbon, notamment, où on avait les mines de charbon, littéralement, à quelques kilomètres, dizaines de kilomètres du lieu de la COP. Dans quelle mesure cette transition juste, elle est pour qui ? Quels moyens sont mis dessus, parce que c'est aussi un sujet qui a été très fort à cette COP, avec notamment, en fait, là, pour le coup, les pays, notamment les petits pays insulaires, les pays les plus touchés, déjà impactés par les dérèglements climatiques. Dans quelle mesure est-ce que cette transition juste, on y met vraiment les moyens, notamment financiers, peut-être Jourdain ? Je serais en difficulté pour essayer de retracer l'historique de cette mention. En tout cas, je peux affirmer avec certitude qu'elle est dans le pacte de Glasgow. Pour moi, c'est un élément qui joue dans une gouvernance à plusieurs niveaux, en réalité, comme tous les sujets qu'on évoque. Mais il y a une mention de la transition juste qui veut dire quoi ? Elle n'a pas de définition propre. Et c'est d'ailleurs comme ça que certains États s'y opposent. La conception qu'on peut y avoir, on peut avoir en européen ou en français, c'est que la transition énergétique se fasse de manière la plus socialement responsable possible,
Il y a d'autres conceptions, mais de manière la plus concrète, je crois que c'est d'abord une question d'adaptation, comme on dit, de la force de travail à la disparition d'emplois liés aux énergies fossiles et d'adaptation des populations aux conséquences du réchauffement climatique. Il y a évidemment, une série d'autres conséquences qu'on pourrait mettre dans cette conception de transition juste. Je le vois dans le texte de l'ONU, je le vois également dans les textes des déclarations, des partenariats, par exemple, c'est ce que évoquait Lola Vallejo de l'IDRI, ce partenariat qu'on fait avec l'Afrique du Sud, c'est pour une transition juste, et c'était un item de négociation assez fort, de manière à ce que les travailleurs qui sortent de la production des énergies fossiles ne se trouvent pas démunis financièrement, socialement et professionnellement. Et enfin, et c'est dans le cadre européen, je pense qu'on a le plus de vecteurs possibles, il y a un fonds de transition juste qui est mis en place dans le cadre du Pacte Vert, et il y a des dispositifs, y compris en France, qui dépendent de la transition juste. Et d'ailleurs, ça peut nous faire réfléchir sur ce qu'on imagine derrière ce terme, puisque finalement, on le voit avec la montée des prix énergétiques aujourd'hui en France, on crée des mécanismes de compensation ponctuels pour les ménages. Quelque part, il y a aussi le chèque énergie qui peut être conçu comme un élément de transition juste. Mais le chèque énergie, n'est-ce pas aussi une forme de subvention aux énergies fossiles, quelque part, vu la manière dont on se chauffe en France aussi. Donc, on voit à quel point tout c'est lié, on voit à quel point c'est difficile, et en réalité, dans le cadre international, la première manière d'atterrir, c'est d'évoquer un sujet, ensuite de le définir, ensuite d'en déduire des programmes, et ça se passe soit à l'ONU, et en général, autour de l'ONU et ailleurs, à tout niveau de gouvernance. Karine, comment est-ce qu'on fait aussi attention à ce que cette transition juste, elle ne soit pas, j'évoquais le cas de la Pologne, elle ne soit pas une excuse à ralentir l'action pour protéger. C'est extrêmement complexe, évidemment. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, mais comment on arrive à jouer avec ça pour dire qu'il y a un certain nombre d'industries, notamment en premier les industries autour des énergies fossiles, où on sait qu'on a besoin de mettre un terme à ces industries, mais comment est-ce qu'on le fait de manière juste et comment on fait attention à ce que ça ne soit pas une excuse, la transition juste, pour finalement ne pas mettre un terme à ces activités? Alors là, honnêtement, c'est une très grande question. Et je n'ai pas la réponse, et si quelqu'un là dans la salle, je veux bien avoir son avis. Yann, est-ce que tu as une idée? Une idée. La difficulté... C'est maudit, en fait, ce soir. Non, mais la première chose sur une transition juste, on le sait que notre transition, là, où on doit accélérer le mouvement, peuvent mettre des personnes en difficulté. Et donc la première chose, quel que soit le niveau de décision politique ou même industrielle, c'est qu'il faut qu'on ait un message clair à long terme pour permettre cette transition. On ne peut pas revenir tous les quatre matins sur une décision, sur un objectif, que ce soit pour une collectivité ou pour un industriel. Un industriel, pour transformer son appareil, il a besoin d'un signal clair à plus ou moins long terme. Pour un industriel, c'est 5 à 10 ans. Si par exemple il sait le prix de la taxe carbone, mot tabou maintenant, mais du crédit carbone en 2030, il va pouvoir évaluer son investissement, et c'est la même chose sur la transition d'un territoire. Il faut envoyer un message à long terme pour préparer cette transition qui peut être brutale. Quand on parle, par exemple, c'est mis dans la loi climat résilience de l'interdiction de vente des passoires thermiques à partir de 2028, si on n'a pas un programme de transition justement pour éviter que ces passoires thermiques restent ad vitam aeternam passoires thermiques pour ceux qui vivent dedans, il faut qu'on ait un programme de transition. J'aime beaucoup la notion que le chèque énergie est peut-être une subvention aux énergies fossiles, mais c'est le cas. Tout programme qu'on fait pour essayer de réduire l'impact de la précarité énergétique, c'est entre guillemets une défaite qu'on a eue sur la rénovation énergétique anticipée et donc de cette transition. Donc la transition juste, elle s'intègre dans un processus qui est long, mais qui doit être bienveillant au quotidien pour éviter que, comme là, tout à coup, avec 54% de prix d'augmentation du gaz, on ait des personnes qui, en ce moment, ne peuvent plus se chauffer et qu'on est obligé de faire des chèques curatifs plutôt que du préventif à long terme. Voilà, il faut un signal long et une politique stable sur ça. Et on voit très bien que certaines politiques ont des grandes difficultés de transmission, d'acceptabilité sociale. C'était ce que tu dis aussi, c'est la transmission de la connaissance et de partager l'objectif ensemble et de bien l'expliquer, de baliser chaque étape.
Et ça, c'est un sujet très délicat, socialement abordé. On va peut-être faire un premier tour de... Je ne sais pas s'il marche. Un premier tour de questions, juste avant d'écouter une vidéo aussi de deux activistes de Fridays for Future d'Uruguay que tu as rencontrés, notamment à la COP, il me semble. Que nous avons rencontrés dans la première semaine de la COP, qui sont venus à la Radio COP témoigner en direct à l'Académie. Elles nous ont renvoyé une vidéo de leur bilan de la COP. Et pour ceux qui ne les ont pas écoutés la première semaine, elles étaient extrêmement vindicatives. Elles en avaient contre tous les négociateurs. Et c'est intéressant de voir l'évolution du discours, même si elles sont toujours extrêmement motivées. Oui, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur le sujet des... Oui, je voulais revenir sur le sujet des processus de décision. On sait tous très bien que l'ONU, c'est un gros bidule où les processus de décision sont extrêmement complexes. Moi, je voulais revenir sur, en fait, la semaine dernière, il y a eu un Conseil de Paris où il y a eu trois votes, pas un, mais trois votes, dans lesquels, en fait, il a été demandé l'abandon ou le sursis à statuer de la Tour Triangle, qui est un projet, effectivement, qui est totalement anti-écologique, hein. Et je voulais savoir comment est-il possible, en fait, que suite à trois votes qui demandaient l'abandon ou le sursis, il semblerait que la situation, c'est qu'il ne se passe rien. Alors qu'en fait, pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure sur la Tour Triangle, c'est vrai qu'elle est très néfaste du point de vue écologique, non seulement sur la construction avec la quantité de béton et d'acier, mais après, il y a aussi le problème d'efficacité énergétique. Hein, on sait tous que les tours, d'un point de vue efficacité énergétique, par rapport les tours les plus performantes, ça peut être un facteur 6 par rapport aux bâtiments en basse consommation. Et puis, il y a aussi un impact énorme au niveau de la mobilité, dans la mesure où l'endroit où est construit la Tour Triangle, en fait, les transports ne permettent pas de jouer leur rôle. Et donc, il y aura un impact, effectivement, aussi de gaz à effet de serre lié à la mobilité des gens qui vont être obligés de venir dans cet endroit qui est déjà, en fait, où il y a déjà énormément de bureaux. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas qu'à l'ONU où les processus de décision ne soient pas simples et comment on peut arriver à une situation où on améliore cette situation qui semble incroyable, quoi. Je vais peut-être... Oui, c'est bon, on entend. Oui, je profite qu'on a un expert du langage climatique dans la salle pour demander ce qu'on entend par subvention inefficace aux fossiles. Et aussi, je me demandais pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les villes d'avoir été dans la déclaration finale, c'est-à-dire qui s'y oppose et voilà, quelles sont les coalitions contre à ce qu'on parle des villes. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas si tu es une femme pour la question de parité, peut-être. Mais je me posais la question, merci. Je me posais la question. Je pensais en l'occurrence à Gal Giraud, l'économiste chercheur au CNRS, qui posait la question de en ce qui concerne les financements aux énergies fossiles qui sont. Actuellement, pour les banques privées d'investissement, ils ont des gros stocks dans leurs actifs qui investissent dans les énergies fossiles, au-delà beaucoup plus important que les flux actuellement. Et donc, étant donné que la Banque Centrale Européenne ne peut pas être en faillite au sens de la dette publique, qu'en est-il des discussions actuelles sur la possibilité d'un plan Marshall vert, c'est-à-dire de faire de la création monétaire au niveau européen, et est-ce que les négociations avancent à ce niveau-là. Merci. On va commencer à répondre. C'est bon ? Oui, on va commencer à répondre. Je vais répondre rapidement. Alors, je suis désolé sur la Tour Triangle, vous auriez dû profiter de la présence de l'élu pour lui poser la question, parce que là, je ne suis pas en mesure de vous répondre. C'est une décision politique du Conseil de Paris. Moi, je suis dans l'administration et là, je suis en tant que participant des villes au COP. Et je n'aurai pas tous les éléments pour vous répondre.
Pourquoi c'est si difficile de faire rentrer ou de maintenir les textes des villes dans les COP? Il faut bien voir aussi que si on prend juste l'exemple français, vous voyez bien que les villes n'ont pas encore tous les pouvoirs qu'elles aimeraient avoir. Alors peut-être qu'on rêve de trop, mais la décentralisation, c'est toujours un sujet délicat. Et la décentralisation dans d'autres pays, c'est un sujet délicat. Je vous prends juste un autre exemple. Vous prenez une COP qui malheureusement n'a pas eu lieu dans cette ville, ça aurait été prévu, Santiago du Chili, c'est un tiers des émissions du pays. Vous comptez bien quand tout à coup vous donnez du pouvoir dans un texte à un tiers des émissions du pays, ça peut avoir des conséquences. L'autre point aussi qui est difficile et qui n'est pas toujours à la décharge des États, c'est que par exemple si on rentre dans des mécanismes de financement où on les autorise aux villes, il y a tout à coup des financements qui peuvent aller en direct sans passer par une garantie d'État et donc des risques positifs ou négatifs à mesurer. Donc c'est pas toujours facile politiquement pour certains États de reconnaître qu'ils ont adopté un texte à l'international où ils ont donné plus de pouvoir à leur ville que dans le texte local. Et si on reprend l'accord de Paris, c'est l'avant-dernier ou antépénultième alinéa du préambule où les villes sont citées, hein, reconnaissance du rôle essentiel du gouvernement local, c'est comme ça, et des autorités publiques, virgule, sous réserve de respect des législations nationales. Voilà. Il ne faut pas non plus aller trop loin, mais c'est pour ça que c'est très difficile aussi, parce que vous donnez du pouvoir dans un texte international, à parfois au niveau local, vous n'avez pas donné autant de décentralisation. Mais l'avis des négociateurs officiels est important aussi. Journain, sur les subventions inefficaces aux énergies fossiles, qu'est-ce que c'est? La réponse est simple, on ne sait pas. Laissez-moi vous expliquer. Cette terminologie est apparue en 2009 pour la première fois dans un texte du G20 de Pittsburgh, où les membres du G20 s'engagent à une sortie progressive des subventions inefficaces aux énergies fossiles. Depuis 2009, cette formule revient plus ou moins dans un texte. Elle a disparu sous le format G20 pendant les années Trump en particulier, ou formulée de manière différente. Et je suis diplomate depuis 2 ans. À chaque début de présidence du G7 ou du G20, on ambitionne de donner une définition à ce terme. Parfois, on décide de produire un rapport permettant de trouver une définition. Et en général, dans les négociations, jusqu'au dernier moment, quelqu'un est là pour rappeler qu'on ne sait pas comment qualifier ce genre de dispositif. En réalité, c'est la discrétion des États. Et c'est d'ailleurs un appel à la lucidité sur ce que peut le droit international, c'est-à-dire que, en fait, l'absence de définition est assez productive. Alors, désolé de ce genre de barbarisme, mais on évoque souvent l'ambiguïté constructive dans les textes qu'on négocie, c'est-à-dire que subvention inefficace aux énergies fossiles peut être comprise de 20 manières entre 20 États, et en général, dans chaque État, il y a 15 manières de le concevoir. En fait, c'est la loi qui le détermine. Donc voilà, c'est éminemment difficile, mais les voies de progression sur une définition, moi je les vois dans 3 enceintes. Évidemment, dans le cadre ONU, maintenant, on a une accroche pour commencer à faire une typologie, puisque c'est dans un texte du pacte de Glasgow. C'est fortement certain, mais par exemple, moi, je serais très favorable à le proposer à ma hiérarchie pour essayer d'avancer dans la CNUC, et je pense qu'on peut le faire. On peut le faire aussi, évidemment, G7, G20. Si vous regardez, la présidence italienne du G20 de cette année a produit un rapport pour essayer de définir ce que peut être le caractère inefficace et ce que peut vouloir dire subvention. Et enfin, là où je crois où ça a un immense potentiel, c'est dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, qui a sa réunion ministérielle en ce moment. Le sujet est apparu sous la CNUC, le sujet des subventions fossiles existe sous l'Organisation mondiale du commerce, et en réalité, en langage de droit commercial, ça peut vouloir dire qu'on considère ces subventions donc, à la production, à l'exploitation, à l'exploration des énergies fossiles, comme une mesure distorsive de marché. C'est assez complexe, mais ça peut être défini de manière très simple dans les traités commerciaux. Et là, je pense que c'est une voie de progrès très importante. Je crois qu'il y a peut-être sur le en cours, parce que j'imagine qu'on pourrait y passer des conférences entières sur le sujet que tu évoquais, un plan Marshall vert. Je vais vous faire rire. Il y a 2 ans, je pensais qu'on avait adopté un plan Marshall pour le climat européen. En réalité, non. Il existe ce qui s'appelle maintenant le pacte vert de l'Union européenne, qui vise à produire toute une série de législations qui sont en train de passer au niveau européen et qui ont en réalité un immense potentiel du point de vue de la législation uniquement européenne dans ce pacte vert pour
réduire les émissions premièrement. Vous connaissez peut-être l'objectif européen, au moins 55% de réduction d'émissions en 2030 par rapport à 1990. Et dans ce pacte, il y a également toute une série de législations qui concernent également les sujets financiers bancaires. Et sur ce volet-là, vous évoquiez les flux privés et les flux des banques centrales. Il y a une initiative qui, je pense, est un excellent exemple de ce qui peut être fait et de la manière dont la machine institutionnelle reprend une proposition. Et là, je vais parler vraiment à titre personnel, en raison de mon expérience, dans ce qui s'est appelé le pacte finance-climat de Jean Jouzel, qui était là au départ, et du donneur dorénavant eurodéputé Pierre Larouturou, qui, entre 2017 et 2019, ont fait cette proposition de plan Marshall pour le climat, assis sur une évaluation de la Cour des comptes européenne sur les dépenses nécessaires dans l'Union européenne pour atteindre les objectifs climatiques. Il était dit dans ce rapport à peu près, je crois, 115 milliards par an de dépenses des États membres de l'Union européenne, et sur 10 ans, ça faisait à peu près 1000 milliards. Cette proposition, j'en ai fait partie, j'étais rédacteur de ce qui s'appelait in fine ce projet de pacte finance-climat qui visait à créer une banque européenne du climat. Et en fait, dans le pacte vert, ça a été repris. Ça a été repris par la présidente de la Commission européenne qui a repris cette contribution qui maintenant vise à verdir les activités de la Banque européenne d'investissement. Et donc cette initiative est en train d'être négociée en européen. Dans le cadre de la Banque européenne d'investissement qui elle-même vise à avoir un portefeuille d'actifs et d'activités 100% aligné avec l'accord de Paris. Mais en réalité, ça s'inscrit dans un écosystème financier bancaire bien plus grand. Il y a les standards internationaux, il y a les standards des banquiers centraux, il y a l'action financière internationale. Dans ces trois volets, il sera très difficile de dire qu'un plan Marshall pour le climat est décidé. En revanche, la conversion des établissements privés et des grands banquiers publics aux actifs verts est en cours. Et là, je vous appelle à regarder toute une série d'initiatives, effectivement, pour en parler longtemps, mais au niveau français, par exemple, on pousse dans le cadre de ce qui s'appelle le One Planet Summit, une série de standards bancaires pour que la finance privée puisse s'aligner avec les objectifs de l'accord de Paris. Et effectivement, c'est un débat effectivement très long. Je vous propose qu'on va encore avoir 10 minutes, un quart d'heure. Je vous propose qu'on... Ça marche ou pas ? Qu'on regarde cette vidéo de Carolina Cuesta et Felicia Pagliano, qui sont deux activistes de Fridays for Future qui étaient présentes à la COP26. How are you? My name is Carolina Cuesta from Uruguay. Hi, I'm Felicia, also from Uruguay. And we would like to make our to share our opinion of the different outcomes that were made at COP26. To start, we would like to highlight some of the positive aspects of COP26. For example, the Agreement of Glasgow, we're happy with it. It really says some new things that weren't said before. Well, for example, the fossil fuels were first included in the article, so it's really important because it's really, for us, it's really basic, but it's a really big step for the... Indeed. Yeah. Also, we're really happy that the Article 6 of the Paris Agreement was finished, since it regulates the carbon markets the global carbon market, which allowed us countries as, for example, Uruguay, who are the ones that they are is a country that are less emitted than most affected, to have some finance and to be recognized for that. Yeah, and now the not good part that we think of is that, for example, they still creating new agreements, and we think that it's not that necessary. I mean, it's okay because the Glasgow Agreement make it like complete and everything, but the things are already said. I mean, you need to they need to keep. Taking actions on specific things and not creating new laws for the things that they already exist. Indeed, we are also not happy that the word elimination of fossil fuels was changed for reducing the amount of fossil fuels. In order to reach the 1.5 target, we really need to start treating this crisis, this climate crisis, as a crisis. And that's one of the key points is stop the usage of fossil fuels.
Also the policies, the NDCs, they are still not as ambitious as they should be in order to reach the 1.5 targets. This is extremely necessary when it comes to this global south, because we are the ones, as I said, the less emitted but most affected. And in there's a depth from the global north, to the global south that it needs to be recognized. We need to get enough finance to implement our adaptation plans. We need to adapt to climate change, a change that was mainly created by the global north. So these kind of injustices can be happening, and the fact that the policies for loss and damage are still not as ambitious as they should be is just unacceptable. We can't be satisfied with that. Also, the amount of money that they say they were going to give the global south, the 100,000 million dollars, it's still not enough. It's perhaps what one country needs in order to implement their adaptation plans and to recover its economy from climate change. We need to start taking this debt seriously, because it's what it is. It's an emission debt and it's a resource debt. With like the capitalism and its policies of colonization and imperialism has been taking so much from us, and still, like, considering that debt, we still have climate change to deal with. So this needs to be recognized. Yeah, to sum up, I would like to say that we had a really good opportunity to meet a lot of people from all over the world, activists from all over the world. And that's really great, because now we can work together. So I think that that's a good thing to say. And also we meet with the whole delegation from Latin America. So that's a really good thing also, because we need to be united as a region. So that's really great too. The people united will never be defeated. So come on. On a eu en effet la participation de Carolina et Felicia lors d'un des apérocops. On a eu beaucoup de jeunes de différentes associations, notamment du réseau CDJAC, qui ont participé à ces apérocops pendant les 2 semaines de la COP. Un des retours, notamment des personnes qui étaient plutôt du côté des observateurs ou observatrices en dehors de la COP, on a eu aussi un People Summit qui s'est tenu en début de la deuxième semaine, c'est qu'il y a eu un vrai décalage entre un certain nombre de congratulations, surtout on a vu ça dans le début, au tout début de la COP, avec aussi des dirigeants économiques qui sont venus parfois avec leur jet privé pour 10 minutes de discours. Et à l'extérieur, beaucoup plus ces mouvements, notamment de jeunesse, qui étaient là pour dire, en fait, ça suffit, il faut agir maintenant. Ce décalage, il est de plus en plus fort. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est source de quelque chose qu'on voit de plus en plus, d'éco-anxiété, de déception et peut-être de fracture aussi? Alors oui, il y avait un décalage qui était très fort. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, il y a vraiment la zone verte où on a des accréditations avec les négociateurs et les observateurs. Et puis, c'est la zone bleue, pardon. Et là, il y a la zone verte qui est vraiment pour toute la société civile sans avoir besoin d'accréditation. Et il y avait vraiment la COP de Glasgow par rapport à d'autres COP, notamment la COP de Madrid où j'étais aussi. Il y avait vraiment, on a énormément mis en avant la zone verte et la possibilité pour les activistes du monde entier de venir à la COP et de manifester. Il y avait vraiment cette zone-là qui était extrêmement... qu'il y a eu plusieurs manifestations, il y a eu beaucoup de monde qui est venu. Et puis, il y avait donc toujours la zone bleue avec les salles de négociation et un langage qui est très différent. Et en fait, même au sein de la zone bleue, il y a un espace, il y a les salles de négociation où les observateurs, nous n'avons pas le droit de dire ce qu'on pense. Et puis, il y a un autre espace qui s'appelle plutôt donc, l'espace des pavillons, où chaque pays a un petit pavillon, ça fait très exposition universelle, miniature. Et là, il y a les observateurs, on a le droit de parler, et il y a énormément, vraiment ça fait foire au climat. Il y a en permanence 30 conférences, etc. Beaucoup de manifestations de la part des observateurs, et c'est vraiment ça qui crée le décalage. C'est un côté, il y a les décisions, de l'autre côté, il y a la foire au climat. Et j'ai oublié une partie de la question. Non mais est-ce qu'en fait ce décalage qui a été vu beaucoup dans la rue, il y a eu beaucoup de mobilisation notamment sur le week-end entre les deux semaines, on a évidemment eu des discours de certaines personnalités jeunes comme Greta Thunberg qui commencent de plus en plus à critiquer ce blablabla des gouvernements,
Est-ce qu'il n'y a pas aussi là des sources d'éco-anxiété? Alors, je pense qu'il y a une très forte éco-anxiété au sein des observateurs, mais elle est même dans la génération, enfin dans la France entière. Alors, il y a la consultation nationale étudiante du RISES qui estime que 85% des jeunes français se sentent inquiétés ou angoissés vis-à-vis du futur à cause du changement climatique, ce qui est quand même un chiffre énorme. Et je pense que ça se voit de plus en plus au COP lorsqu'on autorise la société civile à participer. Peut-être je voulais aussi aborder un tout dernier point qui peut aussi nous permettre d'ouvrir cette discussion. On a parlé beaucoup de climat. On avait un peu plus tôt, en septembre, un sommet sur la biodiversité. On va avoir une COP biodiversité au printemps. De plus en plus, ça aussi, c'est des sujets qui se rejoignent de plus en plus, climat et biodiversité. Et ça ajoute beaucoup de complexité, notamment les travaux conjoints de chercheurs en écologie et en climatologie voient que des fois, certaines propositions sur le climat, finalement, ne sont pas les meilleures pour la biodiversité. Comment est-ce que sur ce lien, cette complexité et potentielle incompatibilité, comment est-ce qu'on prend ça en compte, Jourdain, dans les négociations? La biodiversité a fait son apparition pour la première fois dans un texte d'une COP climat, cette fois-ci à Glasgow, et en réalité les synergies commencent à être construites, mais dans la réalité des deux phénomènes, on a deux phénomènes liés, concomitants, et qui en fait n'ont pas le même degré de maturité au niveau international, mais ce qui n'a rien à voir avec la situation concrète de leur évolution. Mais dans le cadre international, ça n'a pas la même maturité. Et je pense notamment à un livre qui est sorti au moment de la COP21, qui avait un titre excellent, qui disait « Ce climat qui cache la forêt ». Parce qu'en réalité, on n'a pas ce même niveau de technicité, d'avancement dans le processus international et d'exposition. Et en réalité, l'érosion de la biodiversité et le réchauffement climatique font partie d'un système commun, et les solutions de l'un peuvent nuire à l'autre. Et c'est extrêmement dangereux, de la manière, par exemple, l'exemple typique, c'est les biocarburants. On essaie de dépasser le pétrole pour produire des carburants à l'échelle internationale. On produit par substitution des biocarburants qui demandent une affectation des terres spécifiques, qui demandent des ressources en eau spécifiques, qui souffrent elles-mêmes du réchauffement climatique. En réalité, ce genre de système est tellement complexe qu'on pourrait être découragé. Mais la véritable vertu de la mise en exposition des COP biodiversité, alors attention, cette COP 15, elle a déjà un premier segment qui a été ouvert il y a 3 semaines, un peu plus, et qui va avoir un deuxième segment où les négociations vont réellement commencer. Et en réalité, on attend que la COP biodiversité, qui est une des 3 conventions de Rio, il y a climat, biodiversité, désertification, on attend que celle sur la biodiversité, en quelque sorte, se dote de son propre accord de Paris. Et ça signifierait que les États puissent s'engager de la même manière qu'ils le font dorénavant sur le climat, par des engagements nationaux, parfois multilatéraux, avec des objectifs. Et notre espoir, c'est d'arriver à terme à aligner les objectifs climat et biodiversité en termes de calendrier, en termes de redevabilité, évidemment en termes de résultats. Mais c'est extrêmement dur qu'on a 2 phénomènes qui ne sont pas au même niveau de négociation. Par contre, sur la réalité, c'est évidemment de sujets intrinsèquement liés. Lorelai, je sais qu'aux jeunes ambassadeurs pour le climat, vous travaillez depuis quelques temps sur cette question de biodiversité. Il y a un MOOC biodiversité, il y a de plus en plus de... Vous faites beaucoup de sensibilisation par des conférences et vous mettez aussi à en faire beaucoup sur les questions de biodiversité. Qu'est-ce qui vous motive, militant climat, qu'est-ce qui vous motive à aussi aborder cette question de la biodiversité et des questions écologiques au plus large? Bah, parce que c'est pour moi, c'est les mêmes questions au final. C'est que si on arrive à limiter le changement climatique, mais qu'on a perdu complètement la biodiversité, que du coup on n'a plus de système alimentaire résilient, qu'on est à 1,5, mais que dans toutes les villes on a des énormes îlots de chaleur, bon bah youpi, ça ne sert à rien. Et c'est des questions qui sont interliées. Pour aller un peu plus loin que ce que disait Jourdain, c'est pas non seulement plus mature la question du climat à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle scientifique. L'écologie, c'est une science très récente, c'est une science qui a 40-50 ans. La climatologie, c'est plus vieux. Et c'est aussi des questions auxquelles on n'a pas de réponse. On voit énormément de problèmes, mais ça demande du temps, en fait, de trouver les réponses scientifiques à ces questions, parce qu'on ne peut pas expérimenter à grande échelle, ne serait-ce que éthiquement.
Donc voilà, chez Jack, ben, on intervient sur ça parce que c'est des questions liées. On entend beaucoup parler du climat, la biodiversité, c'est une question clé. Et c'est très difficile de s'auto-former sur ces questions parce que ben, c'est compliqué. Du coup, c'est ça qui motive Jack. Et c'est aussi faire les liens. On a aussi un pôle Europe et c'est vraiment faire les liens entre toutes les questions d'environnement et les questions citoyennes et comment les citoyens peuvent s'impliquer là-dedans, peuvent s'approprier les sujets et peuvent ensuite agir au mieux en tant que citoyens. Merci beaucoup. On va clôturer cette table ronde. Peut-être juste s'il y a des questions, évidemment, de la salle. Celui-ci devrait marcher. Tiens. Oui, ça marche. Oui. Bonsoir. Donc, moi, je représente France Nature Environnement Paris, une association de fédération d'associations environnementales. À Paris, nous, on a beaucoup de travail pour défendre la nature, la biodiversité, le climat et les dégâts du béton. Donc moi je vous encourage à nous rejoindre parce qu'on a besoin de forces vives aussi nous dans l'association et ça limite l'éco-anxiété, ça je peux vous dire parce qu'on a tellement de chats à fouetter, non c'est pas du tout le mot, mais on a beaucoup de soucis et c'est vrai que la tour triangle nous est restée en travers de la gorge parce qu'elle a été lancée le jour du lancement de la COP26. Alors ça fait quand même un petit peu mal et c'est vrai que la ville de Paris effectivement a été récompensée pour son plan climat et ses actions envers le climat, mais ce plan climat qui est très ambitieux, qui a eu des effets, n'est pas suivi d'effets dans les projets de construction sur Paris qui font disparaître la biodiversité, de nombreux espaces de nature. Voilà, donc je regrette, j'aurais voulu poser une question à Laurence Toubiana, qui est présidente aussi de l'Association française de développement. Et il se trouve malheureusement que cette... c'est pas l'agence, c'est l'agence, oui. Il se trouve que cette agence a un projet Gare d'Austerlitz de construction de bureaux avec un centre commercial de 25 000 mètres carrés. Vous voyez, on est dans des questions d'opportunité des projets et puis de leur acceptabilité vis-à-vis du climat. Donc moi, j'aimerais bien qu'on arrive à un peu de cohérence et qu'on arrête un peu le greenwashing qui nous pose problème. Voilà. Peut-être si pour la prochaine, si c'est des questions et de faire court, comment on va terminer cette discussion. Laurent Guignon, Écolo Tour Paris. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Écolo Tour Paris organise des visites guidées du Paris écolo à travers une vingtaine de balades. J'ai deux questions très courtes. Tout à l'heure, il a été rappelé l'importance des villes dans le réchauffement climatique. C'est d'autant plus vrai pour Paris, qui est une ville très touristique et qui attire des touristes du monde entier. Il y a quelques années, j'avais une info comme quoi Paris ne comptabilisait pas dans ses émissions Orly et Roissy. Alors certes, Orly et Roissy ne sont pas sur le territoire administratif de Paris. Pour autant, on sait bien que les touristes qui viennent à Paris, qui viennent dans ces deux aéroports, viennent pour visiter Paris. Donc je voudrais savoir si la comptabilité a été revue depuis pour intégrer les empreintes carbone des deux aéroports parisiens dans le poids de la ville de Paris. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que comptez-vous faire pour développer un tourisme local et durable à l'avenir ? Merci. On avait aussi une question. On va prendre ces deux dernières. Juste devant. Là. Elle va. Alors moi j'avais une question juste pour compléter. On parle beaucoup de la ville de Paris, enfin des villes en général, de l'augmentation de la population. Et en parallèle, on a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la désertification aujourd'hui des campagnes. On voit que dans les petites communes en province, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus personne. Et voilà, donc moi ma question c'est comment on trouve un compromis pour arrêter de construire dans les grandes villes et peut-être
faire des politiques qui permettent aussi de redonner vie aux campagnes. Pour, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est réalisable. Donc voilà, c'était le sujet. Et une dernière juste devant. C'est très rapide. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc, en fait, les mots énergie fossile et pétrole ne sont pas dans les textes de la COP, c'est ça ? Ils sont. Donc. Les termes de charbon, donc coal et fossil fuels, donc charbon et les énergies fossiles sont dans l'accord, mais ce qui a été diminué comme ambition, il me semble, et je laisse évidemment les invités, c'est on a enlevé le fait que ça devait être réduit et il n'y a pas de date associée. Donc les termes sont présents, on reconnaît en fait en gros l'importance que ça joue, on n'y met pas d'objectif vraiment derrière. Si je peux compléter, ouais. Sur ça en fait, au dernier moment à peu près, Jourdain, tu me corriges si je dis des bêtises, au dernier moment on avait un texte qui disait on sort des fossil fuels, on ne faisait pas quand, et au dernier moment ça a été réduit à on diminue. Et c'est ça dont on a beaucoup parlé dans les journaux, qui a fait pleurer Alok Sharma en partie, ça a bien fait la une. C'était ça, c'était cette réduction, c'était pas sur fossil fuels, c'était juste avant en fait le verbe qu'on y a collé, et on est passé de sortir à diminuer. Attention sur les subventions, pas oui, les énergies fossiles. Sur les subventions des énergies fossiles et sur la sortie du charbon qui est devenue la réduction du charbon. Voilà. Alors rapidement, parce que j'ai beaucoup de questions pour moi, désolé pour les collègues du panel, sur la prise en compte de l'avion. Si vous regardez le premier bilan de gaz à effet de serre publié par la ville sur la date de 2004, publié en 2007, vous avez donc l'empreinte carbone de Paris où il y a les émissions de tous les avions pris par les Parisiens pour leurs besoins de loisirs ou professionnels et le fret de cargo qui arrive à Paris. Et vous avez un deuxième graphique qui est l'évaluation de l'impact carbone du tourisme à Paris, y compris leurs avions, etc. En revanche, vous comprenez très bien qu'on ne peut pas mettre sur la ville de Paris les émissions carbone de l'intégralité de Roissy, Villacoublay, Orly, Le Bourget, qui sont des aéroports nationaux, voire internationaux. Par exemple, à Roissy, il y a 37% des vols qui sont que du hub. Les gens arrivent et repartent et ne passent même pas éventuellement 3 heures à Paris ou autre. Donc, nous, ce qu'on prend et ce qu'on suit depuis 2004, dans notre empreinte carbone, et on est d'ailleurs la seule ville à le faire, c'est les avions pris par les Parisiens et le cargo qui est destiné à Paris. Et nous évaluons à côté l'empreinte du tourisme à Paris qu'on suit depuis 2004. On ne peut pas prendre l'ensemble des vols. Après, il y avait une autre question. Sur le tourisme local, en revanche, ça vous avez raison, c'est un axe fort et c'est très difficile à pouvoir gérer. Néanmoins, que depuis 2007 entre autres, il y a un fort travail qui a été fait à l'époque par l'Office du tourisme de Paris pour travailler avec ses confrères de proximité de train, on va dire, et pour faire de la publicité, par exemple au tout début, en 2007, à Londres, mais aussi à Rome, etc., pour dire venez à Paris en train. Et on a trouvé aussi des partenaires, bien sûr, ferroviaires, pour pouvoir nous aider à faire ces campagnes-là. On a aussi travaillé sur un tourisme plus de proximité, mais c'est délicat, vu le rayonnement de la ville de Paris, de dire on va refuser tous les touristes qui viennent d'Asie, vous comprenez bien. Mais en revanche, on essaye d'inciter, avec l'Office du tourisme, déjà de développer une offre verte sur le territoire et de rénover correctement tous les hôtels dans un sens de gain énergétique, parce que c'est une valeur énergétique non négligeable du territoire. C'est aussi 300 000 emplois sur le territoire, mais d'essayer de développer un tourisme qui vient plutôt en train à Paris, et puis après d'expliquer, une fois que vous êtes à Paris, vous utilisez vos jambes pour découvrir la ville, le métro, le Vélib, etc., et pas, vous n'avez pas besoin de voiture. Mais voilà, et ça c'est un sujet délicat, mais je vous invite à aller sur le site de l'Office du tourisme, parce qu'ils viennent de terminer des assises du développement durable et du tourisme à Paris, avec des nouvelles priorités sur les 10 ans à venir pour développer la place hôtelière à Paris, y compris la place des congrès qui peut se modifier. Il y avait une autre question sur le rural. En assez court, vous avez raison. Et le but, c'est une excellente question. Il ne faut pas opposer éventuellement des villes qui seraient super neutres en carbone, super high-tech, et puis un monde rural complètement déconnecté, etc. Ce n'est pas du tout l'objet. Et si vous regardez certains plans climat, et pas que de la ville de Paris,
vous voyez mes confrères de Lyon, mes confrères de Nantes, etc. Il y a des volets dans les plans climat pour développer aussi une solidarité avec le monde rural de proximité, pour reconnecter ce que nous on appelle dans notre jargon la ville avec son bassin rural de proximité, son interland, pour tout simplement des besoins primaires aussi des collectivités. On a besoin d'énergie renouvelable, pourquoi aller la chercher très loin? On peut investir en proximité, on a besoin d'alimentation biologique pour nos cantines, pour nos territoires, autant que ce soit en proximité. Et puis, à un moment donné, un mot tabou qui fera un débat sûrement un soir à l'Académie, on a besoin aussi, à terme, de compenser les émissions résiduelles des territoires. Et pour compenser les émissions résiduelles, pour l'instant, sur le marché carbone, on peut acheter des bouts de forêt au Pérou, etc. Mais je ne peux pas valoriser une forêt francilienne qui est maintenue et qui évite l'étalement urbain. C'est aussi ça l'objet des mécanismes qu'on essaie de voter à l'international, de développer une valeur carbone commerciale de nos forêts pour maintenir une valeur économique. Et si vous maintenez une valeur économique sur des terres agraires en biologique, une valeur économique sur du forêt et du développement renouvelable, tout à coup, vous pourrez recréer de l'emploi et avoir un monde rural qui se développe totalement sainement aux côtés de la collectivité centre. C'est un des buts du plan climat de la ville, de celui de la métropole, mais aussi celui de Lyon, de Nantes ou de Grenoble, par exemple. Voilà sur comment on peut redévelopper ça, sur aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, une transition à très long terme. Merci pour les réponses rapides. Merci beaucoup. On va terminer. On a déjà bien dépassé. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci à nos invités. Merci au public. Merci pour vos questions et votre écoute. On vous invite ici à l'Académie du Climat à venir vous désaltérer à la buvette qui est située deux étages en dessous. Et à venir revenir aussi prochainement pour d'autres conférences, d'autres tables rondes, des ateliers, des formations, toutes les activités qui sont proposées ici et que vous pourrez retrouver sur le site internet de l'Académie du Climat. Merci beaucoup et bonne soirée.